Vamonos, on y va, yallah. Let's go. Bismillah. Sur le trottoir, s'il vous plaît. Youssef. Vous pouvez aller à bus, monsieur. Non, non, fainéant, sur le trottoir, s'il vous plaît. Alors voilà, je suis Youssef, professeur de français, langue étrangère, à des primo-arrivants. Donc c'est des gens, des ados, de 12 à 18, qui viennent apprendre le français de manière intensive pour qu'ils puissent après une année réintégrer le général, enfin l'enseignement traditionnel ici en Belgique. Aujourd'hui, on est en visite au musée des instruments de musique avec un des groupes de la classe passerelle de l'Institut de la Providence. On est venu dans ce musée pour leur faire découvrir les instruments de musique et le côté un peu historique du musée. Mais c'est également aussi le prétexte de venir dans Bruxelles, de faire des sorties. Le but de cette sortie, c'est au moins de les faire découvrir des endroits de Bruxelles qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et ici, une élève qui est impressionnée. Comment tu trouves cette place? Est-ce que tu connaissais? Non. Tu ne connaissais pas? Non. Donc voilà, c'est très joli. Waouh, monsieur, qu'est-ce que c'est? Où ça? Mais ça, c'est la grande place. Oh, oui. Ça, c'est la grande place. C'est la grande place. Oui, c'est beau hein, d'ici, c'est beau. Hein. J'ai jamais vu ici, mais... Les quartiers, c'est un peu très, très joli et très des gens qui sont gens de un niveau très, très élevé, chic, oui, très élevé. Parce que j'habite à Molenbeek et tout ça, c'est les quartiers, c'est pas comme ça, c'est pour ça. Oh, joli. Elle a même fait une autre note avec ça, Donc la classe passerelle, en fait, c'est une classe qui accueille des jeunes entre 12 et 18 ans et qui soit sont réfugiés, soit sont simplement arrivés en Belgique pour raisons économiques et donc qui ont suivi leurs parents. Et alors également quelques jeunes ados qu'on appelle des MENA, des mineurs non accompagnés, qui ont dû fuir leur pays pour des raisons diverses, parfois c'est la guerre, et qui sont arrivés chez nous seuls. Et donc notre objectif, c'est de les aider à s'intégrer ici, par la langue, par la culture, par la découverte de leur nouveau pays. Alors maintenant, on avance un peu dans le temps, on arrive à l'époque classique avec... Beethoven? Non. Mozart? Voilà. En général, les primo-arrivants sont pour la plupart extrêmement motivés parce qu'ils ont vraiment la pêche, ils ont vraiment envie de s'en sortir. Voilà. Quoi. Et ça, c'est la marche turque de Mozart.